waleniazalenani esortae amkomanda ecteur fimbo esortae tu njo enyemekimbiza duy apa somikivu apanisomikivu kurompwe njoile kabisa somikiv i rompw a somikiv fasnye 2ne kalaka valitola vakakimbia

ya papa yapapakomanda sekter njoiinawakilisha inawakilisha inawakilisha kabisa kabisa ye mwenye mwenyewe tumeingia somikivu toujours media jurmia njoili kabisa tulisha kamata maeneo yote ya somikivu hapa ni somikivu hapa ni somikivu wazalendo wao wanafanya kazi kama kawaida ndio hao wazalendo wanafanya kazi kama kawaida hapa tuko somikivu apa tuko somkivu Somkivu asomkivu njoile kabisa majeshi ni wengi kuangalia u kwenye miti wengine wale kwenye miti akau tu hapa nd wale maeshi washaipanga l ni majeshi wetu saaaa amandaeanahsh aikasm ieshtsomsnaangali s swae ni bongo toujur mzalendo nguvu njoo njoile kabisa njoile kabisa tuko somikivu tuko somikivu tuko somikivu milima hii somikivu hapa wazalendo wamepangia leo samdi ladies dis wazalendo wamefika hapa sawa 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 kule mahali unatokea kule namona gani ndugu adui amekimbia Ame, ametokea katolo sawa atapata tunamsubiri sawa sawa Comme vous venez de le suivre dans cette vidéo qui a précédé le début de cette émission, les dames et messieurs, on en aura à en parler aujourd'hui plus. À ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, depuis Bandundu, vous êtes en train de nous suivre et nous disons merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, à ce début de la semaine, ce 20 mai 2024, depuis l'Est de la République démocratique du Congo, je suis Youssoufou Kibingila, David, journaliste d'investigation basé en République démocratique du Congo, mais également l'une des personnes qui vous a toujours apporté les nouvelles face à la situation sécuritaire dans l'Est de la République de notre pays. À ce jour, depuis la semaine nous nous disons merci parce que vous êtes aussi nombreux depuis la diaspora, en train de nous suivre, vous avez entendu tout ce qui se passe au pays. Depuis un certain temps, comme nous l'avons toujours dit, l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à l'insécurité, raison pour laquelle tous les Congolais sont debout aujourd'hui, enfin fait que cette partie Est ne soit pas divisée comme le prédateur le prétend, comme l'agresseur le prétend. Comme le bandit de Paul Kagame eux, est en train de le prétendre et avec sa bande de malfrats composée de Corné et Nanga et d'autres assurants. Aujourd'hui, les dames et messieurs, nous avons l'honneur de vous savoir aussi nombreux en train de nous suivre et pendant que nous avons la plus grande bonne nouvelle à ce début de la semaine. Comme vous l'aviez vu au début de, 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 de cette émission, cette vidéo où les Oasalendo sont en train de témoigner leur présence. À Somikivu, là nous sommes dans les territoires de Ruturu vers le nord du territoire de Ruturu Vous le savez très bien, on aura à sur la situation dans l'est du pays. Et Yokamaki depuis des semaines, Lelo, déjà, que va du 1-23, bas perte Sibir, perd. Que va du 123 23 bas pression. Que va du 123 23 bas Sibir, frappe. badetal mokomoko topesaki bino lekomba ses so, intensifie sivple jdi vddi samedi lautre seine ezalaki jdi vddi samedi na semaine oyo etiki koleka ezalaki jdi 2ddi samedi ya semaine kuna epuis oyo oh, tosilisaki lobi ebandaki di didi euh, lendi madi Mercredi, a Mine, jeudi. Il y a eu intensification de combats dans les deux territoires. Vendredi, même chose. Samedi, même chose. Et c'est maintenant le samedi où nous allons observer à des scènes que nous n'avons pas encore observées depuis le début de cette guerre. À notre possession, aujourd'hui, nous avons la bonne nouvelle. Mais quelle est la bonne nouvelle? Vous le savez très bien, après avoir récupéré la cité de la cité de Nyanzale, les rebelles du M23 se sont hérisés, se sont durisés vers Somikivu et ont récupéré Somikivu. Une cité, une cité minière tellement stratégique. Une cité remplie de matières premières, riche en matières premières. Là il y a les sobium, les coltas, manganèse, cobalt, or, cuivre, diamant, nous et awana. Les rebelles sont les gens qui sont en train continue, Vendredi, jeudi plutôt, il y a semaine passée. On a brûlé deux véhicules des rebelles du 23 Des camas qui transportaient leurs munitions. lewazalendo bafandi balobi mm, 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 tokofanda bongo te o nepeu pas observer ya escénario commesa o nepeut pas accepter sa so lewaza lendo vrai versio oyo oh bango bapesaki biso balobi tofandaki koloba détermination na biso o juste toza na biloko nini jusq'à quand nous alons attendre ue un mod orde de, de politicien pour faire réellement la guerrezo 30 ans ça suffit, c'est assez et si là. Et c'est comme ça que ces jeunes résistants se sont soulevés. Et c'est comme ça que ces jeunes résistants ont décidé de faire la guerre. Témoignez partout, par la population qui est en train de vibrer, la population qui est en train de festiger, la population qui est en train de fêter, s'il vous plaît, fêter la victoire de Wazalendo. ed territe notammnt masisi erouchuru batelemi balobi te esengeli tosala bitumba e ces comesa après la recupération de rwindi ou les images montre les jeune resistant wazalendo en plein rwindi nanu bazwi rwindi nyonso te me kiteni ya rwindi eza dej na maboko na bango kiteni moko eza na maboko ya barebele kiteni mosusu eza na maboko ya ba u st wazalendo balembi te baavance eti vichumbi barecipere bamboka mokomoko na kati ya vichumbi barebele na kwe o bazalaki jusà présent iso encrclé par les jeune résista wazalendo le frdc sapl co sortir nakamboka oyo baza nayango pene ya vicumbi Ba éviter, Ba avancer, Ba l'inviter, va jouer Kikoukou, va avancer, va l'inviter, va jouer Boalanda, ba avancer, va l'obéir. Hum, et c'est Nguelito Zoua, Somi Kivu, la bango, ciment, comme ça là on aura, comment est-ce qu'on va prendre Nyanzale. Boko yo kapele lo lendi bitumbe salemi, ba va j'ai résisté Nyanzale. Et c'est comme ça qu'ils ont récupéré Somikivu. Vous avez dans la vidéo, vous avez dans la vidéo au début de cette émission. Vous avez oui. remarqué en la télé radio télé, les images palpables lorsqu'on parlait d'une chose. Selon plusieurs sources dans la zone, nos sources sires dans la région, les Oasalendos ont réussi à prendre le contrôle du village Mutana. Bar Somikivu, dans le territoire de Routourou. C'est là, c'est après une journée De d'intense combat. C'est samedi entre E et le M23. Et c'est la vidéo dont vous voyez les Oazalendo. Ils sont en train de marcher dans ce village Moutana. Déjà Somikivu, Bakoti. Et plusieurs sources ajoutent au-delà de ça. Et cela c'est après que les Ouzbeks ont vu qu'il y a d'autres, il y a pas d'autres affaires que Kokima. Bamoni moto et moni moto ekomia, mm -mm, tokolongate, bazunzela, bakimi. Bakimi, ils n'ont rien à faire. Bakimi, bakimi. Lorsque nous sommes en train de le dire ici chaque jour que Mbao et Zayabiso nyonso, où seraient les rebelles qui ont fait des tapages? Où seraient ces Congolais qui soutiennent encore les rebelles du 23? Est-ce que vous les entendez? Même armes numériques dans Est-ce que Bazoioka angoli sous? Bazoioka malissu souté, ça ne s'écoute plus. Pourquoi? Ils ont été neutralisés par les jeunes résistants Ouazalendo qui sont traités par tous les noms, les FDLR, traités par tous les noms, les rebelles, les maïmaï, groupes d'autodéfense et tous les restes. Traitez tout ce que vous voulez, mais ces jeunes restent braves et nous devons les soutenir. Là, c'est dans le territoire de Routourou. Vous l'avez évoqué depuis un certain temps que nos jeunes résistants devraient se débarrasser de ces résistants et de, de ces rebelles du 1 23. Les FRDC devraient se débarrasser loin de ces, de, de ces rebelles du 23. Et ainsi ils ont entendu ce que vous et nous on a alerté. Ils sont en train de travailler. Ne tombons pas dans la distraction, chers amis. Les wazalens les FRDC dans le territoire de Ruchuru. bokota distraction te objectif eza kozwa mabele nyonso bisika bazali c'est bon on va fater parceque vous êtes entrai de gagne mais nousatando la victoire finale nousatando l élimination nousatando suka ya e makambo wana pourque lelo bayeba baye eke la patrie ou la mort eza devise na bino Ma belle, soit Kokoufa, et tskali, Zembo bo kufa Pona, Ekolo. Et ça, Elo Ba va e faire des C. Pona, Ekolo. Poursuivez ça. Toyebi, vous êtes en train de gagner. Vous avez le soutien de la population. Vous avez le soutien du peuple congolais. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Et vous avez le soutien du peuple congolais. Poursuivez les affrontements. Nous vous encourageons parce que aujourd'hui vous n'entendez plus que les rebelles attaquent enfin que vous puissiez riposter. Non. Vous avez commencé à attaquer. Attaquer. Nous sommes une nation. Nous n'avons pas besoin d'avoir les droits de X pour que nous puissions faire la guerre. Tout ça, qui est elle qui va nous conseiller enfin de faire la guerre Non. Nous n'avons pas besoin d'autorisation aux États-Unis pour que tout ça C'est nous qui sommes agressés. C'est notre pays qui est menacé. C'est notre territoire national qui est occupé par les terroristes. Qui est occupé par les agresseurs. Nous n'avons pas le droit d'entendre quelqu'un. Bossa la Bossa la Bitumba. Mamadou, au-delà de là où il est, il vous en sera toujours fier. Le général Baouma, il vous sera toujours fier. Il sera toujours fier de vous. Lorsque vous défendrez toujours la nation comme il est faux. C'était dans le territoire de Ruchuru. On y va alors dans le territoire de Massisi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas Non, non. Après le territoire de Ruchuru, ajoutez ceci, après la libération des cités de Kibirizi et Vichumbi, plusieurs localités ont été libérées ce vendredi, donc la semaine passée, et samedi par les FRDC et les Ouazalendo les agglomérations de Mutuza, Mbizo, Bukuba et Kasasa, la localité de ruindi est aussi sous contrôle des de, 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 de FRDC et Wazalendo, une grande partie, et une autre partie est occupée par les rebelles du M23, où la population se place témoigne que les FRDC et les Oazalendo restent constants et déterminés enfin de mettre fin aux barbaries du M23. On y va alors dans le territoire, là on était dans le territoire de Ruchuru. On y va alors dans le territoire de Massisi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce territoire D'après nos sources, c'est dans la région. Les FRDC ont récupéré la localité de Kashuga, Mizinga et Ibuga. Il y a eu plusieurs rebelles du 23 qui sont tombés avant la récupération de ces de localités et villages. Les mêmes sources ajoutent que l'armée reste forte et déterminée après cette victoire. Où Les rebelles du 1-23 ont semblé résister. Mais malgré cela, l'armée a mis sa détermination, soutenue par les jeunes résistants ouazalendo, Et à la fin, ils ont remporté la guerre. Ni bataille, Bazui et comme Yabango... ni bitumba bazwi ekomi ya bango na bavideo wana bazala ino bazoloba tolobaki toyebisaki bino bitumba ekozala maasi o bitumba ekozala makasi mebakolonga biso te gerde leste du pays masisi lefrdc reprene control de casuga misinga eyibunga Les notables de là qui en confirment. Bonne nouvelle! Après une longue journée de de combat entre le FRDC et le M23, c'est samedi, c'était vers 17h, où les FRDC ont repris le contrôle de plusieurs villages dans les territoires de Massissi, notamment les collines surplombant la localité de Kahunga, Mzinga et Ibunga. les localité baimage wana ba ba mboka nyonso wana ezalaki dej ome ya barebele du123 bamboka nyonso wana ezalaki na kati ya mabokay barebee d123 bandako nyonso wana bozotala ezalaki na kati ya maboka a ba barebele 123 23iso baoline wana bangombe nyonso ezalaki wana seekontrle spos s uasiadias de dla s Il n'y a rien qu'on devrait rassurer. Il n'y a rien qu'on devrait demander parce que les rebelles du 23 occupaient déjà ces territoires. La nouvelle réapparition de l'aviation militaire de FRDC, Ce samedi à Massissi, est saluée par la population qui reste confiante à son armée et très prochainement à la progression des troupes au sol dont l'aviation sera en appui. En début de la journée de ce samedi, l'avion de chasse Sukhoi Su-25 est réapparu dans les airs et a bombardé avec succès les positions des M23 dans les collines qui les villages euh, qui surplombent les villages de Bitoga en territoire de Massissi, a affirmé plusieurs notables ont affirmé pardon, plusieurs notables de ces coins. Des rites combats combat ont été signalés dans les territoires de Massisi et Ruchuru. Des avions de chasse de l'armée congolaise ont pilonné les positions des coalition M23 euh, sur les collines, sur certaines collines dans les territoires de Massissi ainsi que dans les territoires de en Ansacha, Lukalala et Kamatale. Ils ont pilonné. ebele ya badiaspora balobaki o oh, basuku oyo ekenda wapi basuku oyo ezali soki basuku oyo ebanda osala te sa ne signifie pas que ezalaki te te ezali mais celle les autorités militaires savent le raison kipouse que cela ne swit pas a, disponible encore nounavons pas de raison tokoyepisa bino ebanda kosala te mpo na boyeboye te nounavos pas saisi C'est seulement les autorités militaires qui savent pourquoi est-ce que est utilisé en Angoté. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, vous dire que les FRDC ont repris les affrontements. En ce qui concerne Rubaya, parce que je sais que dans vos commentaires, vous allez afficher ça. Les jeunes résistants Oazalendo et les FRDC sont en train de tout faire. Ils n'aménagent aucun effort pour qu'ils les récupèrent. lacité minière de robaya dejà basi barecupere somikivu roubaya mpe bakorecipere yango tozotuna bango le peuple reclame la libération de roubaya le peuple réclame bozwa robaya epui reponse bapesi biso bopesa biso semaine prochaine nde semaine oyo tobandi C'est la semaine que nous commençons. Avec tout ce qui se passe au pays, Nenge Boyebi, sir, les jeunes résistants et les FRDC. Par là de la SADEC ici, Nanou Bandi Moussalate, toujours Alors, je ne saurais pas finir sans placer un mot sur le fait que vous aviez entendu ce se passer au pays. Certains parlent du coup d'État, d'autres parlent d'un groupe des ACA équérés, d'autres parlent d'un groupe de Congolais de Malfranc. Mutuna Moutouazo utilisait tel mot oyalingi. Mais moi, je voulais seulement appeler les Congolais que nous sommes de ne pas être distraits par ce qui se passe seulement à Kinshasa, mais focalisons-nous sur la partie est. Vous savez que ce qui a voulu se passer à Kinshasa est un problème interne. Tandis qu'à l'Est, nous avons affaire avec problèmes externes. Comme la situation a été maîtrisée à Kinshasa, c'est bon. Réentrons sur l'affaire de l'Est. Kagame, Azola, la tête. Kagame ne dormait pas. Il est en train de multiplier des stratégies au jour, du jour au lendemain. Pourvu que Naye est Simba. Mais boule nez, aussi embatté parce qu'il y a des Congolais qui sont éveillés aujourd'hui. Je vous signale ici, apparemment, peut aussi Tobi, armes numériques na bango, esau li sous souté, armes numériques esau yo sous souté. Nous vous invitons tous à être vigilants. Nous vous invitons tous à la vigilance. Nous vous invitons tous à soutenir le peuple congolais qui sont en train de souffrir dans les camps des déplacés. Nous vous invitons tous à ne jamais baisser les bras. Nous vous invitons tous à soutenir les jeunes résistants patriotes Ouazalendo. Au sujet des déplacés de guerre, les sont à, à Bosani, mais bisot, et ça fera du bien au fond du cœur. Merci donc, les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission. J'étais Youssouf Okibingela David. Je vous remercie, moi personnellement, de vous savoir nombreux, en train de nous suivre, de votre fidélité. Du début à la fin, nous disons merci vraiment. Cela prouve combien de fois vous nous aimez et vous nous faites toujours confiance. Je reste disponible à tous ceux-là qui voudraient mieux m'appeler, me contacter pour savoir un peu plus, pour avoir uh, d'autres informations peut-être au-delà d'ici. Mais également, pour ceux qui voulaient un peu nous subventionner, nous restons disponibles au plus 243, 993, 46 et 93. Merci les dames et messieurs. Bon début de semaine à vous. Prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres actualités.